Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes dans les Vosges et nous sommes dans un jardin extraordinaire. Extraordinaire. Alors on va essayer de tourner pour vous montrer un petit peu là, cet endroit magnifique. On tourne avec. On essaie tout du moins. Donc c'est sur un ancien site. Une ancienne carrière. Une ancienne carrière qui a abrité aussi les batteries françaises pendant la Première Guerre mondiale. Les Allemands étaient juste en face. Donc tout a été repaysagé. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais il vaut mieux être ici maintenant qu'en 1914, de 1914 à 1918, parce que quand ça canardait là. Oui, mais je pense qu'il faudra revenir au printemps où tout est fleuri, parce que là, nous sommes déjà en fin de saison et malheureusement, il n'y a plus beaucoup de fleurs, mais ça doit être très très beau. Donc, eh bien, on se reprogramme ça. Oui, pourquoi pas, oui. Printemps 2020. Voilà.
Alors, des rhododendrons, il y en a, il y en a, il y en a. Je ne sais plus combien de variétés. Ah, nous allons vous montrer une partie des tranchées, hein, ce qu'il en reste. Bon, bien entendu, la nature a repris ses droits, mais on voit encore bien la forme. Alors, c'est parti. Donc voilà, voilà. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Le son n'est pas trop pourri. Donc voilà. Voilà les tranchées. Donc ça, c'était la place occupée par les Français. Et sur la montagne en face. Sur la montagne en face qui est ici, c'était les Allemands. Et le village a été complètement rayé de la carte. Il a été reconstruit depuis, bien entendu, mais il n'y avait plus rien.
C'est plaisant ce site. Oui, jardin à l'anglaise, beaucoup de verdure, beaucoup d'aménagements, beaucoup de fleurs, des rhododendrons. Parce que c'est une terre acide. Parce que c'est le grès qui se décompose, qui se désagrège, et donc ça donne une terre acide. Donc voilà. Il y a beaucoup de rhododendrons. Bon, c'est un petit peu tard dans la saison, donc tout n'est pas fleuri, mais c'est un beau, joli site et très très calme. Des bancs partout, pouvoir jouer, les enfants peuvent jouer, les photos de mariage, ça doit être magnifique aussi apparemment. Il y a des jeunes mariés qui viennent. Et c'est vraiment un parc splendide. Cette belle balade, est-ce qu'on n'aurait pas mérité quelque chose? On a soif, on a soif.
Bon, allez. À plus, les amis. Au revoir, bye bye. À la prochaine, salut.